Bonjour mes bébés, j'espère que ça va. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit je vais être. C'est quoi par terre? Je vous ai dit je vais être la dernière réveillée. Je suis la première réveillée. Et maintenant là le sommeil super léger. Elle me voyait bouger. Ça fait genre 10 minutes que je suis réveillée, j'essayais de me rendormir. J'ai touché mon téléphone. Et impossible de me rendormir. Mais bébé, je sais pas si c'est le jet lag. Oh, moi je suis en train de KO. Ou de trop gamberger. Je crois que je pense trop. Je me fais trop de mal. Je vous jure mes bébés, je stresse trop. Parce qu'en fait, à cause de la thérapie que je fais là, le MDR, ça me fait faire des rêves trop bizarres. Et là, toute la nuit, j'ai rêvé de la guerre. Je vous jure, je me lève, j'ai la boule au ventre. Des rêves bizarres. Et après, j'ai rêvé que je faisais des crêpes. Et j'ai rêvé de quoi? J'ai rêvé que j'entendais une amie à moi me trahir. Et que je les prends en flag et que je les espionnais, j'entendais tout. Bref, je fais que des rêves, mais vraiment bizarres. Vraiment. Ça, je vais prendre le petit déj pour tout le monde. Je suis en plein jet lag, mon bébé. Ça y est, le jour il se lève à Bali. Ça y est, mes bébés. Le soleil s'est levé. Vous savez quoi? Je suis encore en deux formes. J'ai réussi à commander à manger grâce à vous, mon bébé. J'ai téléchargé l'application. En fait, c'est comme une burrito. Par contre, je sais même pas si j'ai les clés. Ah ouais, c'est bon. Je suis en train de me promener, mes bébés, dans la résidence. Il fait trop beau. Et en fait, je cherche le nom de notre villa. Le chauffeur. Regardez mes bébés, ça fait trop penser à la Thaïlande. Non, tout est fermé hein. Moi je vais me perdre. Il y a un chauffeur. Il est réveillé. Tu t'es réveillé pile à l'heure. Dans 3 minutes les cafés ils arrivent. Un chocolat croissant. Regarde la table que j'ai mise. Je suis depuis 4h44. Ouais, depuis 5h30. J'ai toute seule ici. J'ai essayé moins 20 minutes et je me suis réveillée. Et j'ai mis la table et tout. Puis il est là. Du café, des pains au chocolat. Thank you. Croissant fort, ok? Hein? Hein? Il n'y a pas de sucre. Mes bébés, ça y est, je suis bien réveillée. Je prends mon café latte. Il n'est pas sucré, mais c'est pas grave. Il est 7h39 du matin à Bali. Je suis complètement jet lagée. Je meurs aussi. Maintenant, elle dort. Les enfants, ils dorment. Chez vous, en France, j'ai regardé, il est 1h39. On boit des cafés. On discute. On refait le monde. Julien, tu fais quoi? Bon, il faut du sucre. Tu réfléchis. Où est-ce qu'on pourrait trouver du sucre? Il y a une histoire. Il y a une histoire, les gens, ils disent. Tu bois un café avec du sucre, t'es pas un vrai buveur de café. Mais j'en ai rien à faire d'être un buveur de café. Moi aussi, j'aime le café c'est avec du sucre. Si je veux ni être un vrai buveur de café, ni un faux. Je veux mon café avec du sucre, c'est tout. On cherche du sucre partout. Bon, mes bébés, on est complètement jet lagué. Là, on a recommandé des cafés, on a insisté sur le sugar, sur le sucre. On veut boire un café sucré. Mais je pense que moi, personnellement, je vais pas dormir. Jusqu'à ce soir 20h et au moins je prends un bon rythme, mais je me mets à la bonne heure et je suis réveillée. Ouais, on est sous une blanche. Julien il a trouvé du sucre. Ah, j'ai trouvé du sucre. Ah ouais. Julien il a trouvé.
Bébé, j'arrête officiellement le café. Je bois que du matcha parce que ça réveille plus que le café. Il faut qu'elle goûte, oui. C'est trop bon. Arrête, c'est meilleur que le café. T'aimes pas ? T'as pas comme ça, pas le matin. Ah ouais ? Oh putain, il a craché. Ah putain. Dans l'eau ? Je te crois pas. Mais mort de rire. Sérieux bébé, vas-y. Allez. J'ai pas envie de te manger. Allez. J'ai craché mon pied. Putain, on l'a payé une tonne. Il est cassé. Il s'est craché. Ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit. Thiago. On va à la plage. Et c'est Thiago, il a choisi mon maillot de bain. On l'a vrai, non ? J'aime trop dépareiller, moi. Tu te fais mal ou pas? Tu te fais mal? Hein? Attention, tata. Bon, mes bébés, on est presque tous prêts. Et voilà, franchement, j'ai hâte de découvrir les plages de Bali. Bon, mes bébés, on est arrivés. On a pris un taxi pour 6 personnes. Combien? S'il vous plaît. Non, mais je suis choquée des prix à Bali. 3 euros. 3 euros. Je suis choquée. Waouh, c'est trop beau. Mes bébés, avec Zézette, on va se promener sur la plage. Elle m'a dit ce surnom. Pourquoi Zézette, franchement. Je t'appelle tout le temps comme ça. Je sais. Ouais. Il y a des vagues, etc. En plus, c'est trop bien parce que c'est très rare, il y a des grandes vagues. Quand je vais à la plage, il n'y a pas de vagues, genre. Mm. Bah, Eva, tu es venue surf. Eh ben une fois en tournage, vous savez que dans les planches de surf, aïe, j'ai les pieds qui brûlent. Ah, ah, sa mère. Ouh, ouh. Ah, ah, ça brûle, sa mère. Oh putain. Je me suis brûlé les pieds, je porte une claquette. J'avais un job et je devais mettre de la gomme sur les planches à surf. Je me suis brûlé les pieds. Regardez ce qu'elle est partie faire. On fait pas du surf, nous. Ça me fait du bien à marcher au bord de la plage, d'écouter le bruit des vagues, de se vider. Je suis heureuse de commencer à revenir. Heureuse. Je me suis assise. Là, je suis toute seule, je me vide l'esprit. Le jour, par contre, maman, elle m'avait dit que quand tu viens à Bali, en fait, tu prenais de grandes décisions sur ta vie. Et Bali, il y a tellement une aura forte que tu arrives à prendre de grandes décisions et qu'après, genre, tu te sens mieux. Mais bébé, je vous jure que c'est vrai. Je suis en train de partir et je recommence à être heureuse. Je suis sur une plage au bout du monde, là, je plage, les vagues. Bon mes bébés, on va rentrer faire une petite sieste. Une bonne sieste. Raté, t'es prêt ? Je suis prêt à la sieste. Comme ça, on dort au moins 2 heures et on récupère du jet lag. Bon mes bébés, c'était trop bien, on a passé une bonne après-midi. Il est que 14h et là on va rentrer faire une petite sieste. Bon mais Bubu, c'est pas ta chaussure ça? C'est pas à Bubu ça? Non, c'est à moi. Non, c'est ma chaussure. Je vais me laver. Regardez ma salle de bain comme elle est trop belle.
Mes bébés, je voulais vous remercier pour toute votre bienveillance. Je vous aime tellement, mes bébés. Je suis en train de me démêler avec la brosse qu'ils m'ont donnée dans l'avion. Parce qu'en fait, ma brosse, je l'ai oubliée dans le sac de Manon. Et du coup, ma brosse, elle est dans le sac à Manon. Excusez, au moins de une heure ou deux. Comme ça, je récupère, je suis pas jetlaguée. Oh là là, la brosse, c'est une catastrophe. Bon, mes bébés, je vais faire la sieste. Là, il y a Manon et Thiago, ils sont rentrés. Ils se lavent ici parce que tout le monde dort. Vous savez, c'est quoi mon grand kiff ? De faire une sieste avec les cheveux mouillés. Je sais pas pourquoi j'aime trop. Du coup, regardez, j'ai mis une serviette pour pas tremper mon coussin. Je mets la clim à fond et je vais faire un bon dodo. J'ai dormi de 2h du matin à 5h30. J'ai dormi 3h30. J'ai le jet lag. Je sais pas si c'est le jet lag ou alors parce que je réfléchis trop. Mais là, vraiment, je suis fatiguée. Là, je tiens plus. Je fais pas de sieste. Je vais pas tenir. Bébé, je suis trop essoufflée. Maintenant, on m'apprend à faire l'arbre droit. J'arrive pas à m'ajuster bien. Ils sont en pleine méditation. Je dois méditer, mes bébés. Maintenant, je dois faire l'avion à ZZ. Allez, viens. Là, mes bébés, il y a un gros problème. On a perdu le tigre. Oh, mais il a retrouvé ? Non, c'est le vieux. Non, c'est même pas le vieux. Il n'y a même pas un problème. Oh non, mon amour. Oh non. On le cherche, tata. On a perdu le Moi, ma chambre, je l'ai retournée. On a perdu le vieux tigrou, c'est peut-être à la lune. Non. Hein. Ma chambre, il n'y a pas. Hein. Regardez mes bébés, maintenant elle a été faire du shopping, elle a pensé à moi. Elle sait que le marron, c'est trop ma couleur. Regardez le magnifique haut qu'elle m'a pris. Il est incroyable. Voyez, il est comme ça, genre très touloum, avec plein de dentelle, il est trop. J'avais porté pour la comme ça. Très tôt. C'est trop beau, hein? Mes bébés, j'ai fait mes cheveux là, j'ai mis ma crème dans le corps. Je vous explique, je suis dans une merde internationale, mes bébés. C'est-à-dire que j'ai dormi de 16h à 21h, presque 22h, heure de Bali. Je ne vais pas dormir cette nuit. Heureusement qu'il y a vous.